D'autres qui ont fait leur costume avec leur mère. Moi, je l'ai fait avec ma mère. Les parties à la main, je dirais à peu près 10 à 15 heures. Mais le reste, c'est pas mal acheté. Puis il y a 1 300$ là-dessus. Exactement. Salut tout le monde, bienvenue dans ce live du lundi qui commence. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Pour ma part, moi je suis en vacances cette semaine, alors je vais pouvoir avancer plusieurs projets, dont mon cosplay de Bob, dont j'ai passé autour de 2-3 heures, peut-être plus 2 heures dessus aujourd'hui. Mais là, j'ai passé un petit peu moins de temps que peut-être les autres journées cette semaine parce que il pleuvait pas aujourd'hui, alors j'en ai profité pour aller, faire quelques activités à l'extérieur. Mercredi et jeudi cette semaine, il devrait avoir un peu plus de pluie et qu'il va faire moins beau dehors, alors je vais plus faire du crafting lors de ces journées-là. Mais sinon, j'ai d'autres projets durant ma semaine, alors je vais faire ça, mais en plus de travailler sur Bob, bien sûr, mon projet en cours côté cosplay. Je vais partir de la musique de fond pendant qu'on se parle, puis on va aussi monter le son. À un moment donné, il va falloir que je fasse des tests techniques pour m'assurer que ben j'ai pas besoin de pouvoir entendre la musique en Bluetooth, puis vous puissiez entendre directement le son du PC de la trame sonore. Je pense que ce serait mieux, mais là, je vais faire ça hors stream parce que la première fois que je l'ai faite, ça s'est pas bien passé. Du moins, vous n'avez rien vu. Mais moi, de mon côté, là, j'avais beaucoup de statique puis dans les oreilles. Alors, ça, c'est quelque chose que je vais devoir régler. Donc, sinon, côté cosplay, côté crafting. Côté cosplay, tout d'abord, avant d'aller dans le crafting, j'ai été à un concert de l'OJV en fin de semaine. Donc, le concert de Ocarina... pas l'OJV, excusez-moi, l'OVMF. Et j'ai été à un concert de Ocarina of Time. Et j'y ai été avec mon cosplay de Redead. D'ailleurs, j'ai pris quelques photos intéressantes. Je peux vous les montrer. Je trouve ça drôle parce que j'ai vraiment voulu jouer le malaise au maximum et ça a fonctionné. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et ma sœur qui était avec moi, dont d'ailleurs c'était son cadeau de Noël, là, le billet du concert, a pris plusieurs photos de moi. Dont une, en fait, j'ai fait un montage avec une de mes amies qui était en link et que ça lui faisait plaisir que j'embarque sur son dos ou que je la prenne par en arrière. Alors, on a fait des photos drôles du genre ça, là. Bref, des trucs avec des ego face, des trucs comme de même, c'était bien drôle. Moi qui accueillais les invités, les gens au concert dans le hall, puis j'attendais que les gens arrivent, puis je leur sautais, ben je faisais le cri de mort avec mon speaker Bluetooth. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et je vous dis, je la lâchais pas, mon amie en ligne, là, qui d'ailleurs est Sweet Sisters, une des sœurs du duo Sweet Sisters Cosplay. Alors, je me suis amusé, hein, genre je faisais des trucs, j'allais en arrière de sa table, puis j'allais la voir en Redead de même. Bref, parce qu'elles avaient une table marchande, les Sweet Sisters Cosplay. Alors, on a eu du fun. Sinon, donc c'est ça, côté cosplay, c'est pas mal ça.
Hello Loki, how are you? Don't I feel naked in bodysuit? No, because I'm covered and I'm taking the necessary precautions to make sure that it's fine. For example, I use a dance belt so that my private parts do not show awkwardly, as you might know. So, this is what I'm doing actually. Donc, c'est ça. Sinon, côté cosplay, ben ça fait le tour côté concert. Sinon, je vous annonce tout de suite que je vais être aussi cosplayer invité avec Moonita Cosplay au concert de Xenoblade Chronicles 2 qui aura lieu le samedi 10 juin à la même place que le concert que j'ai été ce samedi. C'est-à-dire la salle Marguerite Bourgeois du collège Regina Assumpta. Les billets sont toujours en vente. Si jamais vous en voulez, allez sur le site de l'OVMF et vous pouvez vous procurer vos billets. Il y a des chansons, c'est sûr, de Xenoblade Chronicles 2. Mais je ne serais pas surpris, je peux pas vous le confirmer, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait des chansons de d'autres jeux de la franchise. Alors, des fois, ça peut arriver que ça se faufile dans des concerts thématiques pour un jeu, les trames sonores de d'autres jeux de la même série. Alors, voilà. Voilà, c'est ça. Côté cosplay, eh bien, j'ai avancé sur les... Sur les brassards de Bob, j'ai refait une version 2.0 et je vais vous la montrer à l'instant. Alors, si on s'en va sur l'autre caméra pour la prochaine partie, ça il faudra que je le colle ou je le rentre à l'intérieur. Mais voilà, donc j'ai refait les brassards avec le fait qu'elles se ferment maintenant complètement au complet. Et vous voyez ici, j'ai mis des lignes, j'ai mis des crevasses que je suis venu en dessous, parce que c'est du foam. Je suis venu creuser dans le foam pour faire des trous. Et le tissu est assez stretch pour que ça vienne comme naturellement entrer dedans. J'ai aussi mis du Sharpie noir à l'intérieur de chacune des cracks afin que ça ressorte beaucoup. Les crevasses ici. Alors, ça fait un effet intéressant. Là, on est en pleine lumière, mais si on n'était pas dans la lumière, vous le verrez mieux, parce que là, le fait que c'est métallique, ça reflète un peu. Mais ça donne un bel effet. Alors, voilà. Donc, salut Nermalor, content de te voir, ça va bien? Là, vous voyez des petits trous ici, c'est parce qu'il y a des aimants. Et avec les aimants, ben, je peux faire ça. Ça vient se mettre ici. Puis regardez, là, vous le voyez bien dans l'ombre, là, les lignes que j'ai faites afin de faire les reliefs requis. Qui sont un peu en forme de circuit, parce que c'est comme ça qu'il est le personnage au niveau de ses brassards. Alors, ouais, ça va super bien, Nermalor, et toi? Et oui, j'ai fait comment pour le bracelet? Ben finalement, j'ai juste pris du foam, du EVA foam, et je suis venu le coller, puis je suis venu comme tout de suite mettre le tissu de façon tendue par-dessus, et voilà, donc mon pouce entre dedans, alors je suis vraiment content, alors ça fait des brassards, avec des belles formes. En fait, tout ce que vous voyez, là, les lignes en noir, c'est tout du Sharpie. Et le tissu le laisse passer assez bien. Puis c'est visible. Puis je suis venu creuser ici avec des fines crevasses pour que ça ressorte mieux. Puis que le tissu est naturellement dedans un peu. Alors ça vient faire la forme désirée. Puis justement, j'ai appris quelque chose, puis je vais vous le montrer dans 2 secondes. Les cracks étaient tellement minces que mes outils de tête habituels de sablage au bout de l'outil rotatif, ben ça, c'était pas suffisant.
Alors, c'était trop large. Puis là, j'essaie de trouver une façon de venir corriger ça. Alors, j'ai trouvé la façon. C'est une tête que j'ai jamais utilisée avant. C'est cette tête-là ici. Donc, c'est une tête avec des poils métalliques. Et quand ça tourne assez vite, ça vient carrément arracher le fond dans les crevasses. Alors, c'est venu complètement nettoyer les crevasses parce que je les ai comme découpées à la lame. J'en ai enlevé le plus possible à la lame. Mais en fait, c'était pas suffisant au niveau propreté. Alors, je suis venu, j'ai pris cette tête-là de l'outil rotatif, du Dremel, et je suis venu passer ça dedans. Et ça l'a fait un très bon résultat. Alors, je suis content de ce que ça donne à ce niveau. Sinon, je viens de penser, là, je me vois dans l'écran sur un autre sujet. Je vous ai montré la semaine passée que j'ai eu deux bouts de papier, là, un prix et une mention honorable pour le Nadeshikon suite à la mascarade. J'ai été porter ces papiers à un centre de laminage et je devrais les avoir dans 2 semaines. Et lorsque je les aurai, ben, ça viendra se mettre dans l'espace qui reste ici pour que j'ai deux papiers qui viennent se mettre au mur, deux laminés. Et voilà. Donc vous viendrez ça, vous verrez ça éventuellement apparaître dans mes streams crafting. Voilà. Donc c'est ça. Ce soir, ce que je veux faire deux choses. Tout d'abord, je dois la prochaine, les deux prochaines, l'étape, en fait, non, excusez, je rembobine mon idée. La prochaine étape majeure pour faire les finitions de mon cosplay, ce sera des correctifs à la perruque. Et une des choses que je veux faire, c'est que je veux m'assurer que on devrait pas voir le tissu qui fait le wig cap que j'ai fait personnaliser à moi. Mais si jamais on le voit, je voudrais que ce soit couleur peau. Parce qu'en ce moment, c'est une couleur gris. En fait, c'est cette couleur-là, en fait. C'est blanc avec un peu de gris. Alors, ce que je veux faire, c'est. En fait, j'ai le maquillage pour ma couleur de peau, de Bob, ici. Et ce que je veux faire, c'est venir trouver le bon mélange de couleurs pour venir appliquer à l'aérographe, au airbrush là-dessus. Sinon, il y a toujours l'expérience suivante. Je pourrais toujours déposer du maquillage, mais je me demande s'il y a une façon que ça reste en place. Sinon, ça va être le airbrush, mais en principe, je ne devrais pas toucher mes cheveux ni le wig cap, mais quand même, un des dangers, c'est que ça s'active à l'eau. Je ne sais pas si. En fait, on peut faire le test ce soir en direct avec vous. On se découpe un bout de tissu, on met du maquillage, du body paint, puis on vérifie qu'est-ce que ça fait. Est-ce qu'il y a un type de scellant pour ça? Est-ce que si je mets du médium à tissu dessus, ça viendrait me corriger? C'est une bonne question. Ça m'assurerait d'avoir la même couleur. Sinon, ben, va falloir trouver le bon mélange au airbrush qui ressemble le plus possible à cette couleur. Alors, voilà. Si jamais vous avez des idées dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je suis preneur pour ça. So, yeah, YOLO Kids Body Paint. Donc, c'est ça. On peut se faire un test. En fait, je vais devoir couper un bout de tissu pour faire le test. Alors, on va aller se chercher. On va aller se chercher un ciseau pour ça. Aucune idée, t'es nul en make-up. Ah, ben c'est correct. Non, mais alors moi aussi, je suis nul en make-up. Donc, avec ce cosplay, j'apprends. Alors, on va aller chercher ce que j'ai besoin. En fait, ça, c'est une peinture qui s'active à l'eau. On va faire des tests. Aucune idée que ça va donner, mais on va vérifier. On va vérifier. Le but, c'est de tester. Pas s'arrêter et pas être paralysé par la peur de rien, d'échouer ou de rien faire au final.
Alors, là, je vais devoir aller chercher de l'eau pour ça. Je vais l'ouvrir. Ça fait longtemps que j'ai ouvert ça. Voyons, c'est bizarre. Comment on ouvre ça déjà? Ah, ok, c'est bon. C'était dans l'autre sens. Alors, voilà. Là, ça s'active à l'eau, ça. Donc, je vais aller chercher des pinceaux. J'ai aussi un petit spray pour déposer de l'eau par vaporisation là-dedans. Et on va faire un test. Donc, je reviens dans quelques secondes. Bon, on va dire 30 secondes, 2 minutes. Alors, me voilà de retour. Là, ça se peut que la bouteille d'eau, je sais pas pourquoi ça asperge pas comme je le voudrais. Donc, je vais juste préparer des guenilles, des trucs pour essuyer le tout. J'avertis, ça se peut que je dois faire plusieurs allers-retours comme je veux protéger mes pinceaux et que je veux pas qu'ils restent. Il y a du maquillage qui reste dessus. Fait que test. Non, ça fonctionne pas. C'est juste des petites gouttes d'eau. Donnez-moi 2 secondes. Je vais aller inspecter le truc. Tester. Je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas avec cette bouteille. Mais bon, on va. Sinon, je vais déposer. On va trouver une autre façon de déposer de l'eau là-dedans. Allons-y. Je pense que je vais devoir m'en racheter un autre. D'ailleurs, un achat que je veux faire, puis je vais profiter de ma semaine de. Oh boy, j'en ai même trop mis. Je vais profiter de ma semaine de vacances courante pour le faire. Je vais m'acheter en plus de la bouteille, une bouteille d'eau de rechange possible, un spray. Je vais aussi acheter un miroir parce que, tu sais, j'aimerais ça être assis. Et pouvoir me maquiller ou faire des trucs de même. En ce moment, je dois être debout dans ma salle de bain ou devant un miroir. En n'étant pas assis, n'ayant pas de table à proximité. Donc, un miroir à main qui pourrait même être transportable en cas de pépin dans une convention pour une mascarade, peut-être. Ça pourrait être intéressant. Fait que là, j'essaie de quoi? Oh boy, ça passe à travers, solide. Ok. Est-ce que ça fonctionne sur du tissu? Oh boy, ça commence pas bien. Ok, si je mets un tissu en dessous, je suis curieux. Juste pour pas tacher ma table. On va essayer. En fait, le problème, c'est pas nécessairement de mettre ça à la bonne couleur, c'est qu'il faut que ça reste en place après. Peut-être que je vais devoir utiliser un médium ou une autre application de quelque chose sur le tissu pour que ça fonctionne. Puis en plus, tu sais, ma perruque, il y a déjà des cheveux dessus, donc il va falloir, ça va être une opération chirurgicale. Je pense pas que je peux y aller avec un pinceau comme ça pour faire ce que je veux. Le pinceau large comme ça, donc ça va me prendre une petite une tête beaucoup plus large, beaucoup plus précise que ça. Donc tiens, si je fais le test, supposons que je dois juste faire un petit correctif. Alors j'applique tranquillement la couleur, puis on va voir si ça fonctionne. C'est peut-être la meilleure solution côté. C'est peut-être la meilleure solution, mais on va voir. La question, c'est est-ce que c'est résistant au toucher après?
Si je le manipule, est-ce que le maquillage part? Je vais le laisser sécher, bien sûr. So, body paint, work on fabric. I don't know, Loki. That's what I want to figure out tonight. Actually, a Google search might be a good idea. I did not do it before, so it might be worth doing it after I'm done painting this. Va peut-être falloir que je mette plusieurs couches, mais bon, pour l'instant ça va, mais c'est plus tard, ça va être le vrai test. Mais oui, j'ai acheté ça dans une boutique pas loin de là où je travaille, qui s'appelle Imagine le Fun. Ils ont un kiosque complet dédié au maquillage. Je vous rappelle, c'est la première fois que je vais mettre du bas. Je vais mettre du maquillage. Ben, changer ma couleur de peau en bleu. Donc, je vais devoir m'en mettre de façon intégrale sur le visage, sur les oreilles, y compris les oreilles et les mains. Donc, ça, c'est ça qui s'en vient pour moi. Non, j'ai un cheveu. Est-ce qu'il est collé sur le pinceau? Je pense que oui. Alors allons-y. En fait, je pense qu'une partie du problème, c'est que ça passe à travers, donc le tissu absorbe pas tant que ça. Bon, ça commence à être pas pire. Je vais mettre un petit plus d'eau. Ça, il faut vraiment mettre de l'eau pour que ça fonctionne. Faut vraiment étendre l'eau, le laisser aller. Ah, et c'est vraiment efficace quand il y a de l'eau. Vous voyez, ça s'étend super bien dès qu'il y a pas mal d'eau, là. D'ailleurs, la musique de ce soir, c'est pour commencer, c'est Donkey Kong 64. D'ailleurs, j'ai commencé à jouer au randomizer de ce célèbre jeu sur la Nintendo 64 de Rare, de la compagnie Rare. Et je vais vous le présenter en randomizer lorsque j'aurai terminé celui de Ocarina of Time dont je diffuse en ce moment tous les mercredis. Donc voilà. Je pense que c'est légèrement plus. Ça se peut que je doive mettre une deuxième couche. Mais là, la grande question, c'est est-ce que ça résiste? Alors voilà. Je vais-tu laver mes pinceaux tant qu'à être là, ouais. Je devrais, hein. Je vais tenir ça pas très loin. Comme ça, si je dois faire une deuxième couche tantôt, on verra. Mais on va y aller avec ça pour commencer. Ce serait le fun que j'ai un robinet accès à l'eau dans cette pièce. Je pourrais. Parce que je vais aller dans ma cuisine, ailleurs dans mon domicile. Donc je vais aller laver ces deux pinceaux. Je vous reviens dans quelques. Peut-être dans une minute.
OK, donc me voilà de retour. Ma blonde vient de me parler, elle a eu ma copine vient de me parler, elle a eu une carte qui vaut 100 $, une carte Pokémon qui vaut 100 $ dans le paquet qu'elle vient d'ouvrir. Alors elle est excitée. J'ai dit, ben, crie pas trop fort, le micro de mon stream est ouvert. yep. OK, donc on va voir qu'est-ce que ça donne ça. Moi, je pense qu'il va falloir mettre quelque chose dessus pour que ça fonctionne. Mais là, je suis trop curieux. Je suis sûr que il y a des gens qui ont déjà pensé à la même chose que je suis en train de faire. Alors, si je cherche pour body paint on fabric. Ah, mais là, les gens veulent l'enlever. Moi, je veux. Je veux en mettre. Comment enlever les taches? Non, non, moi je veux les garder. Paint, on va, okay. On va mieux taper sa recherche dans Google. Paint fabric with body paint. Body paint makeup. Je sais pas. Does face paint work on fabric? Snazaroo face paints are water-based and will wash out of most fabrics. Ouais, mais moi, c'est pas ça que je veux. Ouais, c'est ça. Les gens font tous l'inverse de ce que je cherche à faire. Sinon, je pourrais mettre du médium là-dessus. Dilué, puis ça réglerait peut-être mon problème. La seule chose que je veux pas que ça fasse du médium là-dessus, c'est que ça enlève le stretch. Parce que là, je veux que ça reste stretch. Parce que c'est un wig cap. Alors, ça c'est important que ça reste extensible. Mais ouais, si ça marche, c'est une solution qui va me sauver beaucoup de temps. Et beaucoup d'essais-erreurs aussi. How do you... Non. Non, et vraiment, c'est pas... Les gens font qu'on veut faire le contraire. Attends, je vais faire l'inverse. Faire de la teinture. Dye, paint, dye fabric with... With body paint makeup. Je sais pas si... Ah, je sais pas. C'est clair que vu que c'est à l'eau, ça va partir à l'eau. Si jamais il y a de la pluie ou de l'eau, je pense pas que c'est solide. Non, hein. Y a personne qui fait ça. En tout cas, dans ce que je trouve sur Google, là. Personne ne fait ça. Is face painting with fabric paint safe? Ah, mais ça, c'est si tu le mets sur ta peau, j'imagine. C'est une question de Cora.com qui parle de ça. En fait, il y a toujours un endo ici. Okay? On va regarder les ingrédients ou des trucs, puis on va essayer de déduire ça en regardant ça. Ingrédients, paraffin wax, pétrolatum, glycérine, beaucoup de produits chimiques. Avoid contact with fabrics. Ouais, moi ce que je veux, c'est le pain. Avec ça. Remove with soap and water. Ouais, ça c'est sur ta peau. Ça fait quoi sur le dessus? En tout cas, on va faire des tests. Some trace of color may remain after washing. Oui. Ok. Bon, ça dit pas grand-chose. Mais ça commence à sécher. Alors, puis en séchant, bon, je pense qu'il y a des places où je pourrais mettre une couche. Mais sinon, c'est assez proche de la couleur.
On se rappelle qu'au départ, j'avais ceci. Oups. J'avais ceci. Alors, le but, c'est de colorer ça en ça. En évitant de faire le airbrush, là, parce que ça, j'aurai pas la même couleur. Ça sera pas. Bref. Pour tout ça. Alors, là, je vais prendre une photo de ce que j'essaie de faire, en fait, pour un futur tutoriel. On va mettre ça là. On va mettre l'appareil ici. Là, vous me voyez de proche. Alors, voilà. En tout cas, c'est un test. Puis là, ben, quand ça sera prêt, ben, je vais le faire des tests rigoureux avec. Si je mets de l'eau dessus, si je l'étire, si je le touche. Puis si, supposons que je le frotte un peu, est-ce que la peinture part, puis ainsi de suite. Probablement, je m'attends que la peinture va partir, honnêtement. Donc, c'est pour ça que je suis en train de penser à une idée pour protéger ça. Le médium adhésif, je pense que c'est une solution. Je vais me préparer de quoi à côté pour ça. Ça se peut que je traite la moitié avec du médium adhésif, l'autre moitié, je le laisse comme ça. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais essayer de trouver mes... J'en ai du médium là-dessus. Juste que je le trouve. C'est où qu'on a mis ça? Sera pas bien long. J'ai beaucoup de bouteilles. Bon, le médium là-dessus n'est pas dans le compartiment avec qui est écrit médium. Donc ça veut dire que quelqu'un d'autre que moi a potentiellement touché à ça. Alors, je vais aller voir la table à côté de moi. Ah, des fois, il y a des bouteilles puis des trucs cachés sous des affaires. Donc, on va aller voir. Bon, je vois pas de médium ici. Non, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que c'est dans un autre tiroir. On va fouiller un petit peu. J'aime pas ça, c'est la chose que j'aime pas. Là. Quand c'est les trucs sont pas à leur place, j'aime pas trop ça. Regardez une autre fois dans ce tiroir-là. C'est peut-être moi qui l'ai pas vu. Je sais qu'on a donné une de nos bouteilles à ma mère. On en a prêté une, en fait. Je la vois vendredi, donc si j'en ai besoin vendredi, ben, si j'en ai besoin, ben, j'ai pas à attendre longtemps. Ben, je ferai autre chose là, pendant les prochains jours. Peut-être dans la peinture. Ah, moi je l'ai. T'es pas à bonne place. Il était dans la peinture. Médium là-dessus. Voilà. Yeah, I have so much stuff, Loki. We have accumulated a lot of things over the years, and that's what it gives out. Ok, donc médium là-dessus. Là, probablement que je vais devoir le mettre dans de l'eau. Habituellement, on met ça directement avec la couleur. Mais là, dans ce cas-ci, je pense pas que je peux faire ça. Mais là, avant d'aller plus loin, là, je veux que ça sèche. J'en ai quand même mis pas mal. Tu sais, ça sèche plus lentement que si...
Ça sèche plus lentement que si c'était sur de la peau, parce que de la peau, c'est chaud. Nous, on produit de la chaleur en tant qu'être humain. Mais dans le cas du tissu, c'est pas le cas. Alors, il faut attendre un peu plus longtemps. But yep, that brand is expensive, but good. Yep, exactly. Liquitex, it's a good brand for mediums, especially fabric medium, and also airbrush medium if you want to use it. One of the things that I had trouble with during the most active years of the pandemic was that fabric medium was extremely rare, if difficult to find, because I guess that people that were doing hobbies or were building masks, making masks for other people, were all relying on that, which led to shortages. C'est ça. C'était pas. That was difficult to find. So when we ended up finding or being able to order fabric medium again, when it was available again, we ordered like 4 or 5 bottles just to be sure to not miss any more fabric medium in the future. Yeah, exactly. Same here. Yep, from black market. Well, I use the legal market for that, but yeah, low key. That was very hard to find these last 2 years, 3 years, I would say. Especially 2020 up to 2020 up from 2020 to 2022, it was very a hard product to find. Or you could find it, but you would pay it $45 instead of 12 or 10. C'est ça. Des fois, les dernières années avec la pandémie, là, les trucs créatifs, là, je vous rappelle, il manquait de Mod Podge, il manquait de médium là-dessus. C'était difficile d'en trouver. Voilà. Je vais mettre ça de côté en attendant que ça sèche. Là, pour la prochaine étape de mon stream, je vais regarder la ceinture de Bob. Parce que il y a quelque chose qui me déplaît. En fait, il y a deux choses qui me déplaisent dedans. Je vais vous le montrer. Premièrement, je vais aller chercher la ceinture. J'ai un bac ici. Là, la ceinture est un peu enroulée. On va aller la chercher sans trop détruire le reste. Faut que je fasse très attention. Je veux pas détruire mon cosplay. Je vais s'attirer sur des trucs. Ok. Donc, la ceinture. La première chose que j'aime moins, ça se règle, je crois, assez facilement. La première chose que j'aime moins, c'est ceci. Il y a des bouts ici qui sont jaunes. Ça, c'est parce qu'il reste du barge qu'on voit. Je voudrais enlever ça. Et j'ai plusieurs options. Je peux aller l'arracher avec une pince. Puis c'est probablement ce que je vais faire. L'autre option, c'est de peindre. Mais il y a des risques que je vienne toucher les bords ici. Puis ça sera pas beau. Il va y avoir des bosses à cause du barge qui a séché. Alors je vais essayer de l'enlever tout d'abord. Ça, c'est mon premier truc ce soir à faire. Puis il y a aussi du barge visible quand on. Il y a du barge visible aussi quand on tourne la ceinture comme ça. On peut regarder là, dans les. Oups, là, vous le voyez, vous n'allez pas le voir facilement. Mais des fois, dans les cracks, il peut y avoir un petit peu de jaune de barge visible. Alors, ça, c'est un truc que je veux régler. Même à l'arrière ici, bref. J'ai du travail à faire avec ça. Alors, on va faire ça. Là, je vais avoir besoin d'une pince. Une pince à épiler pourrait être la bonne chose à faire pour commencer. Malheureusement, c'est dans l'autre pièce. Alors, encore une fois, je vais devoir m'absenter quelques minutes pour aller le chercher.
Puis je vous reviens avec ça. Donc on se voit dans quelques minutes. Peut-être une ou deux. Alors, me voilà de retour. Là, je peux peut-être approcher ça un petit peu. Ok. Alors, on va venir. En fait, ça aiderait si c'était légèrement déplié. Ça fonctionne. Ça fonctionne. En fait, je vais prendre une photo de ce que je fais. Ça va aider pour un futur tutoriel. Donc, photo. Je l'ai pris, voilà. Yep. Have I got that feel over time that you wanted that one thing I've sold out all the time? Well, for fabric medium, it was the case. But yeah, it does not happen a lot for me, Loki. Usually when I want to buy something, well, I've told you about my experience with the car sharing service we have in Montreal called Communauto, where finding a car is very, very difficult or impossible, depending on the time. So that's one of my current issues, which will prompt me to buy a car. So I will not rely on that service in maybe a year, or maybe less than that. So I might buy a car eventually. Even I will when I'll leave Montreal to own a house. But yeah, because a house. Single family houses in Montreal, bungalows, like classic houses where you don't share a wall or a ceiling or floor with a neighbor. It's not affordable on the island of Montreal. If you leave Montreal to go to the suburbs, it becomes possible for someone like me. But yeah. Can I take the metro? Well, I take it, Loki. It's just that when you go to conventions with lots of gear and stuff, or you want to see your family, or maybe go to smaller conventions that are not into big cities, you need a car. Or you could do it without a car. It's just that instead of taking 1 or 2 hours, it will take 4 or 5 hours. And you will rely on taxis and things like that. So that's not something I want to do. So I think I'm at a point in my life where I'm thinking that now a car would be interesting for me. Because I also attempted to do car sharing. But like I said, these services are there's no car available when you need it, and that's the main problem. Yep. I don't know what you want to say, Loki, with these last sentences. But yeah. All right. OK, donc qu'est-ce que ça donne, ça? OK, je pense que j'ai réglé le problème, une bonne partie du problème. J'en ai enlevé un peu. J'en ai enlevé quand même pas mal. Là, il y a les petits bouts ici.
que j'essaie d'enlever tranquillement. Il y a des petits bouts visibles encore. J'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire. Je veux pas trop en enlever parce que je veux pas décoller la pièce non plus, mais... You wish your government does something. Well, with public transit or with car sharing? Well, I wish they would do more with public transit here. Well, they're currently building the RAM, so we have kind of the equivalent of a commuter train with metro subway frequencies that's currently being built, which is very good, actually. I might rely on this new system, which should be... Should be operational at least the first phase in the coming months. But yeah, it's it should be a game changer in Montreal for public transit, and will give people more options. Donc ouais, j'attends ça avec impatience. Moi, je vais aller visiter. Je vais arrêter à chaque nouvelle station. Moi, j'ai J'aime beaucoup les projets de transport comme ça, là. Donc ça, c'est quelque chose que ça va me faire plaisir d'aller visiter quand ça va être prêt. Ok. Hey, c'est sérieux, une pince en ce moment, c'est assez... c'est assez primordial en ce moment. Less crazy people? Well, in public transit, Loki? Well, I don't think it will happen. There's a huge issue. There are huge issues currently with mental health, caused by a lot of reasons. I don't think it will be fixed. But when it's possible to ignore them, just ignore them. Yeah, you'll be on your way. Donc voici ce que ça donne. Là, vous voyez plus vraiment de barge. Hein? Là, ça c'est le côté non traité. D'ailleurs, je vais aller jouer là. Donc là, vous voyez le barge là, il est vite visible. J'aimais vraiment pas ça. Donc on va aller décoller ça. De toute manière, il y a assez de barge en dessous des deux pièces pour que ça tient. Donc on va tranquillement venir arracher, découper le barge pour faire en sorte que ce ne soit plus visible. The guy who got cut last month. Who is this guy, Loki? I don't know who you're talking about. I have no idea who you're talking about, Loki. Can you explain? Ok. Donc pendant ce temps-là, on continue à enlever des bouts de barge visibles. Tant que ça détruit pas l'intégrité de la ceinture, ça va. Ça me fait penser à cette musique-là qui joue là. En ce moment, je suis bloqué dans le randomizer de Donkey Kong. Je suis comme, ah! Ça fait tester ta connaissance du jeu. Mais inquiétez-vous pas, quand je vais être rendu à diffuser le randomizer de Donkey Kong 64, je vais changer de seed, je vais en partir un nouveau. Alors voilà, là je suis en mode rodage du jeu, du randomizer et aussi de mes quelques connaissances pour savoir si ça va bien. Donc salut Ki, comment ça va? Je suis content de te voir. Alors ça va bien et toi? Moi de mon côté en ce moment je suis en train de faire des finitions à mon cosplay de Bob. J'enlève du barge ici qui était de la colle contact, du contact cement qui était visible là et à d'autres endroits aussi. Donc je fais un petit peu de ménage en ce moment et j'utilise une pince à épiler pour aller chercher le barge qui est visible et tranquillement je suis en train de l'enlever.
Alors, c'est ça que je fais. Un peu fatigué, qui, mais ça va. Ah, ben, ça roule, c'est correct. Je sais qu'il est très, très tard pour toi, alors je comprends ça. Ici, au Québec, il est seulement 19h50, heure de l'Est. Alors, la soirée ne fait que débuter de mon côté. Donc là, c'est un travail de patience puis de persévérance. Toutes les petits bouts ici, on va venir les arracher. Donc, oui, presque 2 heures du matin de ton côté. Oui, effectivement, c'est la nuit avancée chez toi qui. Sur quoi tu travailles? Quels sont tes projets crafting en ce moment, si tu en as? Là, ça va être un bout difficile. Je suis en train de me demander si j'utilise pas, tu sais, une genre de du papier sablé très localisé sur un petit bout de bois afin de venir comme enlever le barge parce qu'avec la pince comme ça sera pas facile. Là, j'en enlève le plus que je peux là, mais quand même. C'est ça. Yep. D'ailleurs, moi, cette semaine, je suis en vacances. J'ai pris congé payé par mon employeur. Donc, j'ai une semaine de vacances. Aujourd'hui, j'ai été me promener. J'ai été aller dans des places potentielles pour une achat de maison, éventuellement. Maison de plein pied, là, donc, pas de mur partagé avec des planchers ou des plafonds partagés avec des voisins. Alors, on aime ça. Mais par contre, dans la région de Montréal, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ah, t'as pas vraiment de projet perso en ce moment, qui? Donc, tu bosses sur ta fraiseuse numérique, faire des supports à décorer sur différents termes. Ah, parfait. Puis t'as pas mal d'impressions. T'as des impressions 3D et t'as pas mal de peintures de figurines à faire. Oh, ok. Donc, tu te tiens occupé. Ouais, je pense que je vais devoir changer d'angle pour m'attaquer à ça. Donc, si je le fais comme ça, qu'est-ce que ça dit? Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup d'espace de travail avec cette façon-là de fonctionner. Donc, je pense que pour la finition de l'enlèvement du barge, je vais trouver un autre moyen. Là, pour l'instant, j'inspecte, puis je regarde qu'est-ce que je dois faire. Comme là, j'en vois ici. Ouais, ça s'est collé dur, hein? Ouf! Ça avait entendu le clac. Je vais relever ça. Alors, il y en a qui s'étaient collés bien dur. Là, je vais le mettre sur moi parce que je veux savoir où sont les bouts de barge à enlever. Puis une des façons de le savoir, c'est de mettre la ceinture sur moi. Donc, allons-y. Oh, sinon, est-ce que je viens d'en voir un? Ah non, c'est bon. J'ai fausse alerte. Ok, donc je vais vraiment la mettre sur moi. Donc, je vais changer la caméra pour que vous puissiez voir mes fesses. Non, la ceinture. Parlant de fesses. Non, ça n'a pas de lien, mais bon. Quand j'ai fait Redead, mon zombie, là, au concert de l'OVMF ce week-end, Redead, il est connu pour pouvoir d'embarquer sur le dos de Link afin de le manger par en arrière, autrement dit lui sauter dessus. Et c'est comique ça. En fin de semaine, lors du concert, il y a plein de gens qui sont venus me voir puis m'ont dit, hey, tu peux-tu prendre en photo, saute-moi dessus puis mon ami va me prendre en photo avec toi. Ok, j'ai ton consentement, ok. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que la plupart des gens qui m'ont demandé ça, c'était des femmes. Je suis comme bon ben. Ah, tu veux que je te saute dessus?
Ah, j'ai ton consentement. Ok. Je saute dans le dos. Je la grippe dans le dos, puis je la regarde avec mon air de mort. Alors, voilà. En tout cas, c'était bien drôle. Zuri qui, ouais, moi, j'ai trouvé ça drôle. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à terrifier les gens avec ça. Donc, là, je la mets grossièrement sur moi. Là, c'est juste pour voir où sont ces fameux plis. Ces fameux bouts de barge. Et toute croche, là. Là, on n'en voit pas vraiment. En fait, c'est pas assez déplié pour que ce soit visible, de mon point de vue, du moins. Là, c'est là que j'aimerais avoir une caméra ou quelque chose comme ça. Là, je me vois vraiment pas. En fait, le problème que j'ai, c'est que à cause du spot de lumière là, j'ai comme ça m'empêche de voir des détails. Donc, il faut vraiment que je m'approche de mon miroir. Ce sera pas long. Je vais regarder tranquillement. Mais je pense que je vais laisser ça comme ça. Ok, je pense que c'est bon. D'autres problèmes de régler. Alors, on va déposer la ceinture. Yeah, le filou, tu as trouvé le bon filou. Non, mais c'est ça, c'est que. En même temps, non, non, je suis respectueux. Je vais juste prendre, agripper par en arrière, tu sais. Je vais pas plus loin dans ces. Dans ces trucs-là, sauf avec. Sauf avec. Attendez une minute, j'ai une photo pour vous. Ça, c'était drôle. On a fait cette photo-là. Ah, j'ai eu ça. Donc. Ouais, donc j'ai eu bien du fun avec. C'est une de mes amies, alors ça, j'ai pas de problème. Tu sais, c'est pas une personne étrangère. Donc, ah, on fait la pause, let's go. Puis là, ben, comme on était en public, on n'a pas été plus loin, là. T'sais, on aurait pu faire des pauses vraiment plus bizarres, mais bon. On était dans une salle avec un public. T'sais. Non, il y a des enfants, là. On ira pas plus loin. ouais, toujours pas de nouvelles de Twitch de ton côté, ça devient long. Qu'est-ce que tu attends de Twitch? Qui, je suis curieux. C'est ça, je suis curieux. Mais je pense que ça va. Pour ma ceinture. Je vais changer de caméra, hein, moi qui regarde. Oups. Mauvaise scène, ça c'était mon intro. Alors, on va se remettre ici. Est-ce que je vais enlever juste pour le... Ah, la réponse pour participer ou pas à la TwitchCon à Paris. Oh, ok, tu veux participer en tant que quoi exactement? Quel rôle? Je suis curieux. Nous, on n'a pas ça ici, TwitchCon au Canada. Donc, j'imagine qu'il faut aller aux États-Unis dans notre cas. Mais oui. Sérieux, je pense que je vais peut-être me faire une petite invention comme un petit ruban avec un petit bout de bois avec du papier sablé pour faire la finition ici. Puis ça se peut que je vienne l'insérer dans les cracks pour venir comme enlever le barge. Puis voir qu'est-ce que ça donne. Ah, ok, streamer. Ah, ok, ça marche. Oh, ok, c'est bien. En espérant que tu l'ailles, tu aies une réponse positive. Ah ouais, je pense que je vais vraiment avoir besoin de. Je vais essayer quelque chose. Ça là, ouais. Je vois des bouts qui se défont, ouais, puis je vais mieux régler ça. Ouais, c'est ça. Si je passe un.
un outil vert comme ça, je pense que je peux enlever une partie du barge qui cause problème. Et puis en plus, oh là c'est pas beau par contre. Ça décolle puis on voit du blanc ici, j'aime pas ça. Premièrement, on va décoller le tout là. Comme faire une belle ligne. Puis on va faire une petite opération de réparation. Je vais pas arracher la peinture. Okay. De toute manière, ça c'est en avant en plus. Oh boy, ok. Ça se peut que je doive venir faire un petit peu de pinceau puis de correctif ici. Donc, ouais, we have switch cons. Yep, yellow key. Do we have one in Canada? I'm curious. In America, well, in the United States, there are some. Des cales de pontage qui se font en impression 3D. Regarde si je peux trouver. Ok, des cales de ponçage. Ça, c'est quoi ça? Je suis curieux, je vais le taper dans Google. Là. Cale de ponçage. Ah, ok, oui, ça j'en ai. C'est juste que... Ouais, ok, c'est ça, un bloc de ponçage. Oui, c'est ça, mais il faudrait que je m'en fasse un pour mes propres besoins. Là, j'aime pas ça ici, par contre. Je pense que je vais devoir traiter, justement, me faire quelque chose pour venir enlever le barge et tout. Entre chacun des blocs. Parce que là, les deux se collent ensemble, des fois. Comme là, ici, ça colle un peu. Là, ça va. Oh, je viens peut-être de voir... Je viens de voir quelque chose... de potentiellement pas correct. Ici, ça se détache un peu trop à mon goût. Si je le mets sur moi, qu'est-ce que ça dit? Ouais, je vais regarder. Il y en a des petites pour les modélistes. Ok, ça marche. Je vais regarder ça. Sinon, je peux m'en faire un maison. Ça, c'est possible. Ok. Ouais, ok, ouais, je vois ça. Il va falloir que je vienne coller ça ensemble. Un peu comme ça ici. Je suis devant mon miroir, si vous essayez de me trouver. Je trouve que c'est trop espacé, puis on voit... Ouais, ok, donc j'en ai aussi enlevé en avant aussi. Mais là, j'aimerais mettre la ceinture... parce que là je peux pas la mettre complètement comme je le voudrais. Donc, je vais juste enlever ma ceinture, ma vraie ceinture de mes pantalons, pour ensuite venir vraiment mettre pour de vrai la ceinture de Bob. Alors, je m'en vais au miroir. Ok, donc ici j'ai des choses à faire. Ça devrait être collé plus. Je vais faire ça sur moi directement. Ça va être plus facile. Parce que là je le vois où est-ce que ça doit être. Comme là ici il y a un beau filet de barge. On va l'enlever. Même je vais me prendre une petite pince pour venir enlever ça. Parce que je dois repeinturer des bouts là.
va falloir que je vienne enlever ici. Ici, j'en ai, je dois en enlever dans le trou. Comme ça. En tout cas, là, je pense que je peux poursuivre avec la ceinture, ne pas sur moi. En fait, faudrait que je n'aie ça. Ici, ils sont unis, mais pas eux autres. C'est laid. Donc, on va corriger ça. On va tourner ça de bord, puis on va vous montrer ça ici. Ok. Je vais vous montrer plus qu'est-ce que je fais. En fait, c'est que si les deux côtés, si les deux étaient collés ensemble, on verrait pas le, on verrait même pas ce que je suis en train d'enlever. Donc, je vais régler ça ensuite. C'est pas facile à enlever. Il y a vraiment pas beaucoup d'espace pour travailler là-dedans. Ça se peut que je doive recoller les deux pièces au complet. J'y pense. Ouais. Ça se peut que je les... C'est du ménage que j'ai à faire. C'est tous ces petits trucs-là pour qui sont utiles pour perfectionner et conclure un projet cosplay que je dois faire. En fait, savez-vous ce que ça me prendrait? Ce serait un genre de ciseau. Un ciseau tellement fin que ça viendrait couper le bord. J'ai envie d'essayer quelque chose. J'ai une paire de ciseaux qui correspond à cette définition. On va l'essayer. Aucune idée si ça va fonctionner. Oh, je pense pas. Non, hein, ça. Pas une bonne idée finalement. Quoique si je l'étire beaucoup. La lame se rend, mais ça ne coupe pas le barge. C'est pas des ciseaux qui sont faits pour ça, là, mais j'ai essayé de quelque chose. Par contre, ça sert de bonne pince pour venir chercher le barge, tirer vers le haut et enlever ça. Enfin,
Pendant ce temps-là, mon truc, il sèche. Ouais, non, je pense que c'est bon, j'en ai fait assez. Là, ce que je veux faire, c'est. Il y a aussi tantôt, il y avait du barge de l'autre côté. Quand je l'ai décollé, ça a laissé des marques. Des marques de barge que je vais venir enlever. Si je suis capable. Le défi, c'est qu'il faut que je fasse ça devant une caméra. Je vais voir si je peux l'approcher de moi. Voilà, là, je suis vraiment proche. On va l'avoir. Le problème, c'est qu'il y a du barge sur les côtés. Fait qu'il va falloir, faut vraiment que. Si on veut pas voir ça, je dois tirer de chaque bord. Puis là, je dois comme. Plier la ceinture pour révéler ça, pour que ce soit plus facile de travailler avec ça. À mes souhaits. J'en ai combien à enlever de même? Je me demande, est-ce que ça va-tu chercher le mod podge par hasard? Non, parce que ça reste jaune quand je tire dessus. Alors, je pense pas. Quoique, ça n'a pas le même fini. Donc, je pense que ça se peut que j'enlève le mod podge en réalité. Je vais avec mes ongles. Oups, le voyez pas. Je vais avec mes doigts. De toute manière, je vais devoir retravailler cette partie-là. Ok, là c'est correct. Pas ce que j'ai, je renifle du nez un petit peu. Mais je me sens très bien. C'est peut-être tous les produits là, que je travaille avec. Ok. Ah, la playlist, est-ce qu'elle est finie? Oui, elle est finie. Bon. Continuons, on va mettre une autre musique. Là, au nombre de gens actifs, ça se peut que je finisse plus tôt, je sais pas. Peut-être pas finir à 21h. Ok, donc qu'est-ce qu'on met comme musique? Putain, de quoi de facile? De quoi de relax?
Ben en fait, je pense que c'est ça. Je regarde comment est fait l'autre bord. Puis effectivement, je pense que j'ai décollé de quoi qui aurait pas dû se décoller. Ça, c'est collé, mais là, c'est plus collé ici. C'est peut-être ça dont j'ai besoin. Je crois que c'est ça que j'ai besoin, en fait. Ok, fait que j'ai plusieurs trucs à corriger ici. Premièrement, réunir ça. Deuxièmement, réunir ça. Donc, ça, c'est deux choses que j'ai à faire. Troisièmement, il y a un spot ici blanc là, que j'ai révélé tantôt là. Ah, vous le voyez pas. Mais il y a de quoi ici à corriger. Donc voilà. On regarde les autres. Je pense que c'est bon. Ici, j'aimerais enlever l'excédent. C'est pas beau ici. En fait, je vais utiliser. J'ai une cale de ponçage, comme Nermalor disait tantôt, le mentionnait, j'en ai une. Elle est grosse, mais peut-être que je peux prendre le bout moins large pour voir si je peux l'insérer là-dedans. Sa peinture, alors j'aimerais ça que ce soit encore plus localisé. En fait, je pense que j'ai. Je viens de dire deux titres en 5 secondes. Qu'est-ce que tu veux dire par là, qui? Je suis curieux. Mais ouais. J'essaie de. Ah, j'ai peut-être de quoi de pas pire. En fait, c'est ça que je veux faire. Je vais venir enlever le petit truc là, là sans abîmer l'autre côté. Ouais, une spatule en bois pour la cuisine, pour poncer dans l'angle. Oui! Ça peut être une bonne chose. Regardez ce que je vais faire, ok? J'ai du papier sablé, j'ai des bâtons. Je vais me construire quelque chose. J'ai tout pour faire aller dans l'angle en ce moment. Ah, hey, puis pendant ce temps-là, ma pièce ici sèche, sur laquelle j'ai mis de. Voyons. De. J'ai mis de la peinture, ben du make-up, du maquillage pour visage. Ça garde son effet. La peinture ne part pas. Ben la couleur ne part pas. Alors c'est intéressant comme résultat. Alors ah ok deux titres pour de films pour adultes. Ah ok merci Iki. Alors ça marche. Des fois ça m'arrive de créer des malaises ou des trucs de toutes pièces comme ça, puis je m'en rends même pas compte. Des fois c'est voulu, mais des fois c'est pas voulu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit truc rapide. Alors, là, je vais me chercher du papier pour sabler. Donc, j'ai du 80, du 220. On va aller avec du 220. J'ai pas grand chose à faire à ce niveau-là. Ouais. Alors. J'ai du 220 quelque part. Non, ça, c'est du 80. C'est beaucoup trop intense. Mais j'ai du 220 ici. En fait, j'ai même pas besoin. Je vais juste me le faire à la main. Je vais me découper un petit bout de papier sablé, puis je vais le faire à la main. Je pense que ça va être ça le plus simple, en fait.
Ok, donc j'ai besoin d'une paire de ciseaux qui coupe ça. Je n'utiliserai pas des ciseaux de couture pour couper ça, bien sûr. Je pense que ça va être assez. Donc si j'y vais très... très localement comme ça. Ah oui, c'est en train de disparaître. Là. Tranquillement, ça disparaît. Ok. Il faut juste... Parce que quand tu sables du barge séché, ça se met en boule. Ça forme des petites boules. Et on peut les récolter après ça, en fait. Donc là, je pense que j'ai réglé le problème. Il faut juste que je vienne arracher les petites boules. Arracher les petites boules dans un autre sens, ça peut être très drôle aussi. Très sexuel aussi. Alors, on va prendre ça. Donc, salut Sky Falcos. Alors, comment ça va? Oui, je suis en train de faire des correctifs sur une ceinture que j'ai construite pour un futur cosplay. Et je suis en train d'enlever des bouts de col contact ou barge, comme on appelle. En fait, c'est ça, je suis en train d'enlever ce qui est visible à ce niveau-là. Et voilà. Sinon, comment ça va de ton côté? Qu'est-ce que tu fais de bon? Alors, là, on va faire l'autre bord, parce qu'il y a une petite... Je sais pas si vous le voyez bien dans la caméra, mais il y a une petite ligne de colle visible. Alors, on va venir enlever ça avec la même technique. Là, par contre, c'est moins décollé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va faire du va-et-vient. Et là, vous les voyez, toutes les allusions, là. Alors, on va aller faire ça ici. Ça va fonctionner. Ouais, c'est là qu'un outil serait intéressant, je pense. Ok, tu fais sur un Call of. Ok, donc Call of Duty. Donc, yep, c'est cool. Lequel? Ok, ouais, là ça fonctionne moins bien par contre. Là, je pense que j'aurais pas le choix d'avoir un outil pour cette partie-là. Je sais. Bon, c'est pas si pire. En fait, je pense que je vais y aller dans l'autre sens. C'est de la musique relaxante de Nintendo qui joue en ce moment. Oups. Faut que je fasse attention au reste de la ceinture. Donc là, encore une fois, ça s'est mis en petite boule et on va venir arracher le tout. Voilà. Ça, c'est à l'arrière en plus.
ça leur a pas la partie. Ça leur a pas le focus. Comme c'est habituellement en avant qu'on prend les pauses, qu'on regarde et qu'on fait des trucs. Qu'on interagit avec les cosplayers. Mais on corrige quand même à l'arrière pour être sûr que ce soit beau. Parce que. On se le cachera pas, dans ce cosplay, j'aurai un beau derrière. Des culottes moulantes, là. Ok, j'en ai enlevé une bonne partie. Le reste me semble bon. Je vais continuer avec mon petit bout de papier assemblé. Voilà. Ok, c'est bon. Ça me convient. Alors, prochaine étape. Bon, je suis satisfait du résultat pour le tissu. Est-ce que ça donne quoi de proche? Oui. Peut-être qu'une deuxième couche donnerait un meilleur résultat. Je pense que je vais devoir mettre une deuxième couche. Là, en même temps, ça va être un peu étiré, là. Donc ça, je crois que c'est concluant pour l'instant. Je vais faire des tests avec de l'eau, si c'est arrosé, si j'ai des trucs à faire plus tard là-dessus. Ok, donc on doit venir coller ça ici. Ça se peut que j'utilise de la Gorilla Glue pour ça, parce que le bard, ça va être difficile de mettre ça en place. Je vais devoir le tenir dans un angle pour pas que ça se colle. Avec de la colle en gel de type Gorilla Glue, ça va être instantané, la fusion entre les deux. Puis j'ai envie de faire la même chose ici. Alors je pense que c'est une solution que j'ai pour cette pièce. Donc je vais aller chercher là pour ça. C'est rendu que je préfère. En fait, la plupart des biseaux, des becs de mes pots de Gorilla Glue sont soit bouchés ou sont très difficiles à faire sortir la colle. Je vais mettre énormément de pression et beaucoup de travail. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise un bâtonnet, ce qu'on appelle un Q-tip, là. Un petit bâtonnet avec de la ouate au bout. Alors ce que je fais, c'est que j'ouvre le bouchon, pas le bec, mais le bouchon qui se dévisse complètement de la bouteille de Gorilla Glue en gel et je vais tremper le Q-tip dedans et je viens le mettre sur la pièce directe. Ça me permet de sauver des fonds de bouteille et c'est souvent plus facile et plus agréable à appliquer comme ça. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en chercher. Et encore une fois, malheureusement, c'est dans mon autre pièce. Parce que c'est habituellement dans une salle de bain qu'on garde ça pour d'autres choses que le cosplay. Alors, je vais aller en chercher. Je reviens dans peut-être 1 à 2 minutes. Je vais me faire un remplissage de mon verre de jus. Alors, je reviens.
Donc, me revoilà avec du liquide et des Q-tips. On va aller chercher la Gorilla Glue. Je l'ai utilisée aujourd'hui. Non, c'était hier. J'ai collé les aimants sur mes nouveaux brassards avec ça. On va corriger ça. Donc, premièrement, on va faire le plus facile. Je crois que ça va être ça ici. On en a un petit peu à mettre. Je sais pas si ça va suffire. Ça va suffire par contre. Mais... C'est un peu salaud de travailler avec ça. Là, alors, il y a des filets de colle qui s'en vont partout. Hein. Ça, faut faire attention. On va venir coller ça par en bas. Ouais, c'est ça, comme ça. Vers la deuxième moitié des petites sphères. Ok, allons-y. C'est le thème de Zora's Domain dans Breath of the Wild. Ce jeu a tellement marqué la franchise Zelda. Ok, alors allons-y. On va nettoyer la colle. Je veux pas de filet ici. La partie visible, c'est super important que ce soit beau. Même que là, je suis pas satisfait. Vraiment qu'il n'y ait pas de colle. La Gorilla Glue, ça fait partir la peinture quand c'est devenu trop sec. Alors, on garde ça en place. Mode d'emploi, protéger l'heure de travail contre les dégâts, dévisser le bouchon, appliquer une petite quantité de colle Super Glue Gorilla sur une surface. Appuyez sur les deux surfaces pendant 10 à 45 secondes. Après utilisation, nettoyez la buse avec un chiffon sec, conservé dans un endroit frais et sec. Alors, ça fait bientôt 45 secondes. Donc, tu vas au dodo, qui? Donc, bonne fin de live. Ah, ben merci. Et toi aussi, bon craft à venir dans tes figurines et tout ça. Et au plaisir de te revoir sur ma chaîne. Donc, bonne nuit et à bientôt, qui? À la prochaine. Pendant ce temps-là, je fais coller le tout. Yep, le chat te dit bonne nuit, qui? Nirmalor vient de le dire. Okay, on va laisser ça de même. Là, je veux pas trop bouger le tout parce que dès que je commence à plier une autre partie pour que ça colle puis tout, ça risque de se décoller ici. Donc, on va faire très attention. Et on va venir coller cette partie-là maintenant. Avec la même méthode, soit de la Gorilla Glue en gel transparent. C'est très fort cette colle-là, ça colle des aimants. Des aimants puissants, ça, ils se décollent pas ensuite. Okay, alors allons. On regarde, déjà je le décolle. Je sens que... devoir appliquer les... Ah, j'ai de la colle sur les mains. Ah. Un petit peu de Gorilla Glue, ça va. Là. On va survivre.
grand filet de colle. Ça, je pense que de la vieille colle. La vieille Gorilla Glue, ça fait ça. Ok, let's go. Faut que je me dépêche d'enlever les rebuts. Là. Toutes ces affaires-là. Ok, en avant. Let's go. Ok, donc on va laisser sécher ça. Je pense que je toucherai plus à mon à ma colle pour un bon... Ben, pas à ma colle, mais à ma ceinture pour un bon 12 heures. Je vais la laisser au repos pour que ça ça adhère bien. Là. Mais bon, ça se peut que j'ai d'autres correctifs à faire plus tard, fort probablement. Alors, on va tasser ça d'ici. Ok, donc ça bouge pas. Je vais revenir sur ce que j'ai peint plus tôt. Là. Je vais mettre une deuxième couche. Je vais essayer de le faire correctement là, au complet. On va se faire une... On va protéger la table parce que ça, ça... J'utilise une vieille, un vieux linge, là, une vieille guenille, comme on dit ici, pour protéger ma surface de travail. Alors, on va faire un peu de ménage. J'ai beaucoup de choses de sortie. On va tasser ça du champ de vision. On va mettre ça là. Ça, on n'en a plus besoin. On a besoin de ceci. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. J'ai besoin de pinceaux. J'ai aussi besoin de d'un truc pour arroser, donner de l'eau. Et on va venir appliquer de l'eau et remettre de la peinture sur ce bout de tissu-là. Ok, ça devrait être assez. On applique bien l'eau sur la surface et on vient peindre comme ça. Ma wig cap, ben le bout de tissu qui sous-tend tous mes cheveux de ma perruque de Bob, c'est pas quelque chose que je vais toucher. Donc, si ça décolle un petit peu, c'est pas grave. C'est juste que c'est juste au cas que on voit la ceinture, ben pas la ceinture, mais le wig cap d'un angle quelconque pour une prise de photo ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que je veux être sûr de couvrir. Donc, voilà. Oh! On a un raid! On a un raid de Sircha Craft avec 7 personnes. Bien, bienvenue tout le monde. Je suis content de vous voir. Merci Sircha pour le raid. C'est très apprécié. Comment ça va? C'est le Shield Wall qui commence. Alors, mur de bouclier. Alors, oui, quel bon vent t'amène. Qu'est-ce que tu faisais sur ton stream, Sircha? Alors, yes, content. Merci beaucoup. C'est super apprécié. Comment ça va? Là, je fais un test avec du make-up, du maquillage de visage, ainsi que du tissu ce soir. Parce que... Pour le wig cap, là, le truc qui sous-tend ma perruque, au cas que ce soit visible, je voudrais que la couleur du wig cap soit la même couleur que ma couleur de peau que je vais avoir avec ça. Alors, je fais un test.
Au lieu de prendre un aérographe, un airbrush, puis venir faire ça, si j'utilisais le maquillage directement sur le tissu, est-ce que ça donne un bon résultat? Est-ce que c'est résistant? Est-ce que la couleur va être bonne? Pour l'instant, la couleur semble bonne. Et c'est ça. Ça va bien. Ça va très bien. Pour l'instant, ça va. Mais là, est-ce que ça va être résistant au toucher, au dommage? Je vais faire des tests. Est-ce que je vais ajouter un médium à tissu pour protéger la peinture? C'est une bonne question. La couleur, en fait. Aussi, peut-être que je devrais mettre du médium à tissu là-dedans, qui sait? Alors, ça se peut. Ah, tu vas pas rester longtemps, il faut que tu ailles te nourrir. Ouais, il est très tard chez toi, puis t'as pas mangé, oui, je connais, non, je connais très bien ton pseudo, ton nom, Sirsha. Oui, je te reconnais. Ouais, merci de passer encore et de faire un raid cette fois-ci. Oui. Là, d'ailleurs, vous m'excuserez, pendant une minute, je vais aller laver ce pinceau parce que je veux le garder vivant. Je vais le passer sous l'eau, je reviens dans une minute, peut-être deux. Alors, restez là. Mais voilà, de retour. Salut Niena. Je pars de ma table, tu arrives et je reviens. Ouais, ben content de te voir, ça va bien. T'arrives à un moment intéressant de mon stream. Parce que je fais un test ce soir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je fais un test. Ça, c'est une des parties de mon stream. C'est que je suis en train de me dire. Puis je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps, mais ça va me faire plaisir de me répéter. C'est que. Là, je veux peinturer des bouts de mon wig cap qui pourraient être visibles d'un angle ou d'un autre dans une photo. En fait, je me dis, ma première idée, c'était d'utiliser un airbrush. Tout d'un coup, en fait, de prendre un airbrush, puis de comment dire. Trouver la bonne couleur, gosser là-dedans, faire des mélanges. Ça aurait été, aller dans la voie du airbrush, c'était un petit peu compliqué. Mais là, je me suis dit, ben là, si j'utilisais directement le maquillage pour ma couleur de peau sur un échantillon de tissu de mon wig cap. Alors là. La couleur c'est très concluant pour la couleur. Ça, je vous le donne. Là, par contre, est-ce que ça garde son stretch? Ce qui est bien. Là, est-ce que c'est résistant? Ça, c'est la grande question. Est-ce que je fais un test puis j'ajoute du médium à tissu pour protéger ça? C'est une question que je me pose. Est-ce que j'ai besoin de le faire? Ça, c'est intéressant parce que je toucherai pas vraiment au wig cap. En même temps, je veux pas tacher mes cheveux aussi. Tu sais, je veux pas tacher je veux pas tacher les nouilles de couleur bleue. Ça, on s'entend. Mon make-up est à base de quoi, Niena? Ben, en fait, il est à base des ingrédients suivants, dont je vais te lire. Premièrement, il est activé avec de l'eau. Alors, je suppose que si on met de l'eau là-dessus, peut-être que ça va l'endommager. Le tissu, puis ça va, la couleur va partir. Mais en fait. Il y a une liste d'ingrédients, il y a plein de produits chimiques, mais ça s'active avec de l'eau. C'est du tag Body Art. C'est pas Snazaroo, mais je me suis fait conseiller ça. C'est une bonne peinture, à ce qu'on m'a dit. Voilà, j'ai une couleur plus foncée. Ça, c'est au cas que je dois faire des mélanges.
mais finalement, ce sera peut-être pas nécessaire. Alors, mais oui, effectivement, la transpiration, bon point, Nermalor, parce que je vais porter des couches là-dedans, que ça fasse pas une réaction avec le crâne bleu schtroumpf. Ouais, c'est possible, en effet. Quoique, je vais avoir un wig cap, un vrai wig cap, là, donc un vrai filet, puis par-dessus, ben, sous celui qui sous-tend tous les cheveux de ma perruque. Alors, c'est ça. Mais oui, un fixateur pour le make-up. Oui, ben, je pourrais. Tu sais, j'ai mon fixateur pour la peau. Mais est-ce que ça va fonctionner sur du tissu? Est-ce que je dois utiliser autre chose? Mais ouais, un make-up à base d'alcool pour cette partie-là, Nina, pour le visage. Mais ouais, à base d'alcool, c'est sûr que ça resterait, là. Mais là, il faut trouver la bonne couleur, puis tout ça. Donc, c'est ça. Puis oui, je pense aussi que le make-up, à base d'eau, ça va peut-être s'égratigner avec le temps. Ah, c'est fort possible. Est-ce que j'accepte de faire des retouches? Est-ce que je serais prêt à accepter de faire des retouches à toutes les 3-4 conventions, peut-être? Je ne sais pas. Peut-être que oui. Mais oui, c'est là où j'en suis. Mais en même temps, l'application de make-up, de maquillage directement sur le tissu, ça va sauver tellement de temps au projet, là. Tu sais, faire des mélanges de airbrush, parcourir toute la perruque, bref, tout ça, là. Je pense que ça va sauver beaucoup de temps, cette méthode-là. Mais oui, ah, ok, ça ressemble à ta teinte, celle de la diva. Oui, effectivement, je me souviens. Celle avec la grosse chevelure, là, avec des tentacules. Ouais, du waterproof. Oui, effectivement, Nermalor. En fait, à base d'alcool, c'est à l'épreuve de l'eau. Donc, à base d'alcool, ça pourrait fonctionner. Sinon, plus tôt dans le stream. Hey, d'ailleurs, Nina, je te montre quelque chose. Donc, ça, ce sont les brassards avec les lignes. Puis, le tissu est tellement serré que ça rentre dans les cracks que j'ai faites. Puis, les cracks sont faites avec. Je les ai creusés dans le foam et tout. Donc, ça fait ça. Donc, ça fait l'effet que je voulais. Puis, ça va super bien, en fait. Alors, puis, justement, j'ai refait des nouveaux. J'ai remis des nouveaux aimants. Alors, voilà. Pour les gens qui se demandent qu'est-ce que j'avais avant, ben en fait, la base, c'était ça, mais recouvert de tissu. C'est juste que ce que j'aimais pas, c'est ça ici. J'aimais pas l'espace. Là, il n'y en a plus. Donc, c'est fun. Puis, je l'ai faite pour les deux côtés aussi. Alors, ouais, les brassards sont terminés, je dirais. Donc, la nouvelle version, je l'apprécie beaucoup plus que la première. Alors, yep. Ah, ben, merci, Niena. D'ailleurs, pour ça, j'ai été voir des références de la série. J'ai essayé d'émuler le plus possible l'effet circuit et tout ça. Ça m'a donné ça ici. Donc, ça m'a fait un petit patron. Puis là, ben, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu comme découper des points de référence. Je suis venu coller ça sur la base de fond. Puis je suis venu tracer les points de référence. Ensuite, j'ai fait chaque ligne. D'ailleurs, j'ai des photos pour vous. Ouais, t'adores Glitch? Oui. Ah, ben merci, J'aime ces bels accessoires que j'ai fait. J'aime beaucoup Glitch. Puis il se colle avec des aimants, c'est ça qui est cool. Tiens, j'allais montrer mes photos, mais je leur montre. Tiens, ça c'est moi qui saute sur mon ami en Link, en Red Dead. Fallait que je la montre, c'est trop drôle. Ouais, c'était ça. Mon application photo était sur cette photo-là. Mais ouais, là, revenons à Bob. Je vais aller dans mon album de Bob.
qui est pas très loin. J'ai beaucoup d'albums sur mon téléphone. Donc, côté photo de progrès, qu'est-ce que ça dit? Donc, côté photo de progrès, ça je voulais montrer, c'est le patron. Donc, ça donne, j'ai rapporté toutes les lignes comme ça. Ensuite, j'ai découpé à la lame. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que là, c'était laid. C'était vraiment laid, tu sais, avec les coups de lame. Donc, je suis venu prendre une tête que j'ai découvert. Je l'ai jamais utilisée sur un Dremel, un outil rotatif. Celle-là, parce que les autres, ils étaient trop larges. Puis là, ben, je suis venu comme traiter chaque crevasse avec ça. Puis je pense que j'ai un avant puis un après. En bas, c'est avant, c'est assez dégueulasse. Puis en haut, c'est après. C'est tout smooth. Alors, ça fait ça. Puis là, ben, ça, c'est quand je l'ai mis, là. Donc, voilà. Mais ouais, c'est vraiment cool. C'est celui-là que tu utilises. Ah, je vais aller voir, Niena. Pro Air. Hybrid Sky Blue. 52,99. Manufacturer Pro Air. Waterproof Face Paint. D'accord. Tu recommandes pas au airbrush, il sèche trop vite, mais s'applique bien à l'éponge ou au pinceau. Ben ça tombe bien, Niena, j'ai des pinceaux pour. Puis vu que je dois faire toute ma face, le pinceau large, il va vraiment aider. Mais oui, l'instant, la couleur te semble similaire. Alors peut-être comme base de fond, ouais. Du moins pour le tissu. Pour le test de tissu que je veux faire. Mais il faut que je fasse la peinture du tissu. Avant de faire ce que tu m'avais suggéré, là, donc de coudre à la main les mèches. Parce que si, en fait, là c'est bien, ils sont tous indépendantes. Donc là, je peux les lever puis aller peindre en dessous. Puis ensuite, ben, là, quand ça va être tout uni à la main, je pourrais pas vraiment, j'aurais pas vraiment d'espace pour travailler. Je regarde ma perruque au loin, là. Donc, pendant que je vous parle. Mais oui, en tout cas, il faut que je le fasse là, si c'est ça. Mais ouais, le prix, il est cher. Puis c'est combien d'onces? Je vais regarder la photo. Regardez, je vous montre de quoi, ok? Oups, c'est pas cet écran-là que je voulais vous montrer. Je peux-tu changer mon écran live? Donnez-moi 2 secondes. Si je partage un autre écran que celui-là, disons Display 2, ouais. Ah, puis là, ah, c'est tout. En tout cas, c'est rare, j'utilise cette vue-là, là, tout est croche. En même temps, je suis tellement pas sur cet ordi-là quand je partage des écrans. Donc, tant je fais des correctifs en direct. Puis le truc en question. Ouais, c'est ça ici. 52,99. Combien d'onces? 4 onces, hey, c'est pas beaucoup. Ouch! T'avais peut-être acheté le 2 onces. Ça a l'air d'une grosse bouteille. Ouais, ben. Ça tient dans une main. Ok, c'est plus gros que j'aurais pensé. Mais ouais, c'est à base d'alcool, ça? Do not mix Pro Air with water. C'est écrit ici, là. Je vais lire la description. Hey, c'est fou. Là, je regarde comme si je regardais l'écran. C'est là où vous regardez, c'est bon. No water and blends together with a complete set of water repellent makeup ingredients. With Pro Air, Show Off sets the standard for hybrid makeup today and tomorrow with the most durable, longest lasting, non-staining, most water-repellent makeup formula on the market. The absence of water in our formula also means you'll experience little or no separation of pigments from fluids, leaving you time to service more and more customers instead of wasting time staring off shaking bottles. Cool. Donc, c'est à base d'alcool. Là, j'imagine pour enlever ça prend du démaquillant classique. Est-ce que ça fonctionne comme c'est de l'alcool? C'est sûrement écrit.
For removal, apply liquid soap. Ok, ben, remover. Ok, ça fonctionne. Donc, j'ai ma réponse. C'était écrit. Puis se confirme Niena, donc. Ok. C'est intéressant. Yep. Ah, ben, merci du partage. T'as jamais eu une misère à l'enlever. Ouais. Ah, ben, tant mieux. C'est ce qu'il faut. Ouais, ça l'a doublé de prix, hein. C'était 25$ avant, selon toi. Puis c'est très solide. Ok, ben ça marche. D'ailleurs, moi, là, je peux vous parler de quoi j'ai acheté. J'ai acheté le make-up comme ça à base d'eau. Mais j'ai aussi le fixatif. Donc, j'ai une bouteille de fixatif. Tu te sprays ça d'en face. C'est pas supposé partir, c'est résistant. J'ai fait des tests avec les mains. Je m'en suis mis sur les mains. Je me suis mis du scellant. C'était assez solide. C'est sûr qu'après des fois certains contacts un peu rudes, ça se peut que ça partait un petit peu sur les mains, sur les bouts de mes doigts. Mais en même temps, je m'attends à ce que ça parte légèrement si je touche des trucs. Mais tant que ça part pas d'un coup si je touche un truc, t'sais. Alors, mais par contre, pour le visage, ça allait super bien. Mais par contre, c'est sûr que j'ai gardé ça pendant une bonne heure, le make-up. J'ai pas fait des trucs comme une course, des trucs qui me font suer. Dans une convention, ça risque d'être différent, c'est sûr. Mais ouais, donc je pensais aller avec ça pour commencer. Mais ouais, je prends ça en note, Niena, parce que si j'ai des problèmes avec ça, j'irai peut-être avec ça. Mais là, parce que là, mon truc, il est encore mouillé, là. Mais demain, ce serait intéressant, ou plus tard ce soir, quand ça va être complètement sec, de voir si ça résiste, faire des tests avec. Je pense pas que je vais venir frotter sans arrêt mon wake cap. Alors, je pense pas que je vais y toucher. C'est plus que s'il y a de l'eau, on sait jamais. Je serais intéressé de prendre peut-être la moitié de cet échantillon de test, mettre du médium là-dessus, puis voir qu'est-ce que ça donnerait. C'est ça. Avec des tests standards, là, supposons, je me fais comme pitcher de l'eau par quelqu'un. Oh, excusez, je t'ai pas vu. Mais là, ça va être le cosplay aussi qui va être taché. Hein, donc, mais bon, on n'est jamais à l'abri de problèmes. Mais ouais, c'est ça. Alors, ah, ok, merci. Niena m'a envoyé une photo en privé pour une photo de sa base de blanc. Alors, yep. Face, body, art, make-up. Waterproof, smudge proof, quick dry. Ah, excellent. En même temps, si ça vaut ce prix-là, Niena, c'est parce que ça doit être très bon. Alors, probablement mieux que ça ici. Ça, c'est sûr. J'ai payé combien ça? Je m'en souviens pas. Et ça fait au moins 6 mois, 6 à 8 mois que je l'ai acheté. Je me souviens pas du prix. Je pense que c'est autour de 10 à 20$ pour ça. Plus le fixatif. Peut-être plus 20 que 10. Mais ouais, c'est ça. Ouais, ça couvre beaucoup. Puis t'as pas eu besoin de t'en racheter. Ben ouais, ben. J'ai vu la taille de la bouteille. C'est plus que ça, là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais ouais, merci. Merci du conseil. En tout cas, si j'ai de la misère, je prends ça en note. Ça se peut que je m'en commande. Parce que. En tout cas, je sais pas si je vais le reporter souvent à Bob, là. Au moins, je vais probablement le porter au moins 3-4 fois, là. De prévu, là. Mais c'est clair que moi, je vais reporter mes cosplays, c'est sûr, là. Mais oui, merci beaucoup, Niena, pour le conseil. C'est super apprécié. Si je vois que c'est un problème, ça. Puis aussi, faudrait que je compare les couleurs. Là, c'est dur de comparer en ligne des photos, là. Donc c'est ça. Il va falloir que je vérifie. Il va vraiment falloir que je vérifie. Mais oui, t'as regardé. Tu veux poser des questions, Nermalor, à Niena pour le make-up, le maquillage? Ben vas-y, avec plaisir. Pose-lui tes questions. Moi, je vais finir bientôt, par contre, que tu peux toujours la contacter sur ses réseaux sociaux. Mais oui, si je peux trouver de la poudre bleue, ça va aussi faire un bel effet de fini. Oui. Ouais, de la poudre dans le visage.
Ouais, ça pourrait être cool. D'ailleurs, moi, j'ai juste fait un test pour l'instant avec... D'ailleurs, je vais faire des tests cette semaine parce que je veux tester qu'est-ce que ça donne côté... tu sais, recouvrir mes sourcils, les peindre en noir, puis tout, là. Ça, j'ai jamais fait ça. Je sais ce qu'il faut faire, là, la technique avec de la colle en bâton, puis tout, là. Mais oui, il faut que je teste ça plus tard cette semaine, pendant que je suis en vacances, en fait. Donc, je vais vous montrer, j'ai fait un test de make-up. Puis, voilà ce que ça donnait. Donc, je l'avais gardé longtemps sur moi, puis ça tenait bien. Ça tenait très bien. Mais oui, la poudre va unifier. Oui, ok, ça marche. Que je regarde des conseils, puis merci pour tes conseils, mais aussi des d'autres gens qui font des make-up. Mais oui, yep. Ouais, ce soir tu luttes pour garder les yeux ouverts. Ouais, c'est sûr, non, mais alors, à l'heure qu'il est chez toi, je comprends tout à fait. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Ben, j'ai dit autre chose à faire ce soir. J'ai pas mal fait ce que je voulais faire. J'ai pas mal fait ça. D'ailleurs, bien, on va faire nos mots de fin. Alors, je vais terminer là-dessus. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Puis oui, merci pour tes compliments, pour le beau travail que tu me dis, Niena. Ben, c'est très apprécié. Merci de tes encouragements, puis de ton soutien aussi, quand tu es là et que tu me donnes de tes conseils. C'est super apprécié. Donc, d'ailleurs, mon prochain stream va être ce mercredi. On va continuer le randomizer de Ocarina of Time. D'ailleurs, côté randomizer, j'ai installé aujourd'hui et j'ai testé celui de Donkey Kong 64. Je l'ai testé, j'ai dû faire des correctifs à Project 64. Ça demande une certaine configuration. Donc, j'ai fait ça. J'ai aussi essayé le randomizer. J'ai essayé avec des options que je pense intéressantes. J'ai juste commencé un petit peu pour voir qu'est-ce que c'est. Mais déjà, je vais mettre ça plus random quand je vais commencer le seed après le seed de Donkey Kong 64 après Ocarina of Time. Donc déjà, je veux rendre ça plus intéressant. Donc, c'est ça. Ça va être le fun. Puis t'as vraiment hâte de voir mon Bob. Oui, moi aussi, j'ai hâte de le voir sur moi en Photoshop puis tout, Nienna. J'ai hâte de passer à un autre projet, alors, puis de finir Bob. J'aimerais ça le finir cette semaine, vu que je suis en vacances, là, je vais en profiter. Parce que là, côté cosplay, j'ai un, j'aimerais ça faire plusieurs photoshoots ce printemps. Je veux faire Bob, bien sûr. J'ai les tutoriels de Bob à écrire. Je veux aussi faire un photoshoot en Hope. Avec mes amis de Final Fantasy XIII. Plus quand il va faire plus chaud, puis quand ça va être moins dégueulasse dehors avec les déchets puis tout. J'aimerais faire un shoot de Gerudo Link. J'ai jamais eu l'occasion de le faire un vrai photoshoot complet avec. Mon Link là. Mon Link, pas en chest, là, mais habillé comme en femme, là, dans le désert. Ça, je veux le faire. J'aimerais ça. J'aime ça refaire des reshoots d'anciens cosplays que j'ai jamais eu de photoshoot complet avec. Alors, cette année, je veux faire Gerudo Link. Ça va être soit à la fin du printemps ou en début d'été. Tout dépendant de la température. Je vous l'ai dit plus tôt en stream, je vais être cosplayer. Je suis cosplayer invité pour le concert de l'OVMF de Xenoblade Chronicles 2 avec Moonlita Cosplay. Ça va être le 10 juin, ça, le samedi. Donc, si jamais vous voulez des billets, il y en a toujours en vente. Alors, je vous invite à aller voir ça. Xenoblade Chronicles 2, c'est de la très belle musique. Le jeu est peut-être pas connu comme il le devrait, mais la musique est super bonne. Ça, je vous le garantis. Et en espérant que ce soit bien interprété par l'OVMF. Mais habituellement, ils font un bon travail là-dessus.
Et ouais, je vais être populaire. Ouais, ben je sais pas, populaire, ben, c'est pas grave, je fais pas ça pour ça, là. Mais ouais, le meilleur gardien. Ben c'est sûr, une chose est certaine, je vais être original, ça c'est clair. Parlez-en avec moi Henry Dead dans des conventions ou dans des événements, c'est super original là, comme cosplay. Puis oui. Puis normalement, tu te dis qu'il faut que tu trouves des gens qui font du FF14 pour des shoots. Ben, j'imagine en France, il doit y avoir des groupes de Final Fantasy. Je connais peu de cosplayers là, en France, là, mais je sais que des gens comme Kizumi, je sais pas comment je le prononce, mais Kisume Cosplay en fait. Il y a des cosplayers français qui en font, j'en suis convaincu, tu vas pouvoir trouver du monde à ce sujet. Alors, voilà. Donc, ça va conclure le stream de ce soir. Là, je vais aller manger, je vais aller faire d'autres choses. Puis, on se voit dans 2 jours. Et là-dessus, portez-vous bien. Passez une belle soirée, passez une bonne nuit. Et à la prochaine, tout le monde. Salut!